Malien de Malien. Soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, officiers généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts. Car dès ma première mission de chef de gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour redonner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée de l'ordre de programmation et d'orientation militaire. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, pourquoi j'avais toujours mis en garde. Dit que on met dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci. Voilà, c'était.